Bien. Partagez hein, pendant que je le fais aussi. Oui. Partagez. Partagez. Un diamant. Partageons, partageons, partagez seulement massivement. Tous ceux qui sont dans votre liste là, donnez-leur. Moi, je partage seulement. Andiamo solo. Moi, je partage, hein, partager. Ouh, je vais arrêter, je vais arrêter. Voilà. Dis donc, je n'ai pas fini maintenant, hein. Aïe, 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 aïe. Mamma mia. Che storia! Venez, hein? Bon, je crois que faites le reste, hein? Aïe, 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 aïe. Madonna. Ma che storia. Wow. Dis donc. Bon. Ok, j'espère que vous avez partagé aussi. Hein? On est en ligne. Excusez-moi. Pardonnez. Partagez. Bien. Je suis de retour. Partagez ma vidéo, partagez mon direct. On va. J'ai déjà donné un peu le titre, hein, donc vous êtes avisé. Il faut arrêter ça. Bon, c'est pas grave. Sois salué, ma tante. Invité.
Je vais bien, maman. Je vais bien. Et toi? Je vais bien. Voilà. Invité, partagez la vidéo. Nous sommes dans une phase où il faut vraiment donner les informations. Il faut les relayer à tout moment. Carton noir, sois béni, mon fils. Dieu te bénisse, hein, pour le combat que tu fais. Sois béni immensement, sois béni, sois richement béni. Bien. Partagez ma vidéo, partagez-la dans les groupes et tout et tout. Oh maman, je suis ravie. Je rends gloire à Dieu, tu te portes bien. Faut même pas aussi t'inquiéter de ce qui est du vaccin et tout ça là. C'est Dieu qui a la vie de l'homme en main. C'est Dieu qui a notre vie en main. Donc, moi-même aujourd'hui, je devais aussi aller faire la deuxième partie, mais bon, comme je me sens pas bien, je ne suis pas partie. Lundi, je vais aller pour leur dire. Partagez ma vidéo. Partagez la vidéo. Voilà. Je vais rentrer dans le, comment on appelle ça, dans le vif du sujet. Le 25 de ce mois, c'est-à-dire le week-end qui commence là. D'abord, veuillez m'excuser du fait que ce soit à cette heure ainsi que j'ai choisi de faire une vidéo. Mais je le fais en soutien à mes autres amis. Voilà, et en soutien pour l'événement qui va arriver. L'événement qui va arriver là, c'est pour nous tous. Attends, qui est là encore? Qui d'autre? Je ne vois pas du tout. Bon, qui est? Ibrahim Ezoku, sois béni. Attendez. Qui encore? Jean-Charles Sabatier, sois béni. Justin Glacionion, banni. Asao Numbo. Hi. Jérôme Talou. Ah, ils sont, how do you feel? Comment vas-tu? Dene? Émilie Will, sois bénie. Jocelyne Guessant. Big up. Popo, Mireille Lydie, toutes mes bénédictions, ma fille. Maman, voilà ton doigt, c'est ta fille. Fabrice, mon homonyme à moi, Fabrice Armel Tré. Beaucoup de bénédictions. Partagez ma vidéo. On va commencer. On va commencer. Je vous remercie déjà de vous être connecté sur ma page. Cette vidéo que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire depuis quelques jours, vous voyez un déferlement, vous voyez un déferlement de... Merci beaucoup. Invitez vos amis, partagez la vidéo, d'accord? Vous voyez un déferlement de... Comme je me porte pas bien, un déferlement de vidéos. On succède les vidéos, on les succède, on les succède. Oui, on doit les succéder pour faire passer le message. Comme on le dit toujours, vous voyez, si nous prenons notre temps pour venir sur la toile pour parler, c'est parce que nous voulons que les choses changent. Les choses changent au sens où nous devions combattre l'injustice, nous devions combattre, c'est un abus que nous sommes en train de décrier, c'est un abus que nous sommes en train de combattre. Sinon, les choses vont pas changer. Parce que si on ne défend pas cela, les choses vont pas changer et ceux qui vont venir demain en feront pire. Raison pour laquelle nous faisons des tirs groupés. Les gens pensent que nous, on n'a rien à faire et puis on est sur la toile. Moi, je suis sur la toile parce que je suis contre un système. Voilà pourquoi je suis sur la toile. Et donc, si je suis sur la toile pour un système, si le système pour lequel je suis venu sur la toile doit me contraindre à aller, à ne pas dire, ça dit, à ne pas donner du mien, ben, je vais toujours chercher à me débattre et ça ne va jamais finir. C'est-à-dire, je serai toujours rebelle. Rebelle au sens où, quand on veut me bâillonner, c'est je me rebelle. Je disais tantôt hier dans ma vidéo ou avant-hier, qu'une calebasse, quand on veut noyer une calebasse forcément dans un seau d'eau, ben c'est peine perdue parce que non seulement tu rencontres une force,
Mais la calebasse retourne toujours sa position normale. Vous voyez? C'est pour cela que nous, on est sur la toile. Nous sommes sur la toile ici pour que l'Ivoirien aujourd'hui qui est en train de souffrir soit libre. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour notre cause à nous. Nous tous. Pas pour nous autres, mais pour la cause du peuple. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes là pour défendre les mères opprimées. Nous sommes là pour défendre les enfants abusés. Nous sommes là pour défendre le système dilatoire qui s'est installé depuis un moment. Nous sommes là pour faire changer les choses. Parce qu'à l'époque, nos parents qui n'avaient pas le moyen de communication usaient des pamphlets. Ils usaient des pamphlets et ils faisaient des porte-à-porte. Pour véhiculer leur message, afin que le peuple soit au même niveau d'information. Donc, nous, aujourd'hui, nous disons merci. Nous disons merci à ceux qui nous ont donné l'opportunité de nous exprimer. Et nous pouvons aussi user de cette plateforme pour faire de grandes choses. Nous ne sommes pas là seulement pour contester. Vous comprenez? Et donc, nous ne serons pas là non plus pour accepter les choses qui ne sont pas vraies. Les choses qui doivent nous nuire. Raison pour laquelle nous sommes là. Alors, moi, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que le mouvement MGC, c'est-à-dire le mouvement Génération Capable, qui va faire sa première apparition au Palais des Sports comment on appelle là, le 25 septembre prochain, doit être soutenu. Il faut que tout le monde rentre dans la mobilisation pour soutenir ce mouvement-là. Vous comprenez? Plus d'un ne peut ni dire ici, ne peut nier ici que nous n'avons pas été déçus des événements qui se sont déroulés peu avant. C'est-à-dire depuis le 17 septembre, nous avons été, comment on appelle ça, lésés. Nous sommes restés sur notre soif. Nous sommes restés sur notre faim. Moi, je fais cette vidéo pour dire comment est-ce que quelqu'un que nous avons défendu pendant des années, qui est le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, ceux qui n'ont rien fait se mettent derrière et font léthargie de certaines choses qui ne sont même pas vraies. Merci beaucoup. Alors, ceux hier qui étaient terrés, ceux qu'on n'a même pas vus au devant de la scène, au devant de cette lutte, ceux-là aujourd'hui s'accaparent le président Laurent Gbagbo, ils deviennent des conseillers, ils deviennent des conseillers politiques, ils deviennent des analystes politiques, en bien mot, tout quanti noi fatto la science po. Excusez-moi, l'italien est sorti. Donc je voulais dire par là qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que tout le monde est devenu politicien, nous sommes tous devenus des analystes, comment on appelle, politiques, nous avons tous fait la science po. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pourquoi est-ce que ceux aujourd'hui qui veulent forcément refaçonner le FPI, le FPI hier qui a lutté, le FPI hier qui a dit non au président Oufo Boigny, non contre le système de monopartisme. Moi, j'étais à l'époque, j'étais en France quand le président Laurent Gbagbo était en exil là-bas, où Bernard Dosa, son propre frère de Gagnoa, Bernard Dosa étant journaliste à Tropique FM, avec le petit, comment on appelle ça, comment on appelle le petit là, j'oublie le nom de Claudicia, voilà. Claudicia était animateur, Bernard Dosa était comment on appelle, journaliste. Je me rappelle bien quand, à cette époque-là, le ministre de l'Éducation à l'époque, M. Bala Keïta, Bala Keïta était venu pour lancer un appel aux Ivoiriens. Quand il avait fait sa première apparition pour dire qu'il veut parler aux Ivoiriens, je me rappelle encore, nous, Ivoiriens qui étions à Paris, à une certaine heure, c'est-à-dire l'heure que le ministre Bala Keïta avait donné d'être sur Tropique FM, Tropique FM du moins, nous avons couru, nous avons fait nos boulots et pu être à l'heure devant nos télévisions pour regarder l'émission de Bernard Dosa. Pour inviter le ministre Bala Keïta. Donc, c'est pour vous dire que ça, c'était aussi un autre système de communication.
À l'époque, on se ruait aussi là, on se ruait aussi pour savoir avoir les nouvelles de notre pays. Vous voyez, je me rappelle encore une phrase que le ministre Bala Keïta avait dite. Il a dit comme ça, Bala Keïta disait comme ça, revenez à la maison. Revenez à la maison, peuple ivoirien, revenez à la maison. Car celui que vous êtes en train de critiquer actuellement, le président Houphouët-Boigny, il ne veut pas le mal de son peuple. Mais chercher la démocratie et la liberté d'expression ne veut pas dire qu'on est contre quelqu'un. Donc le président Houphouët-Boigny même en est conscient. Mais vous, les Ivoiriens, venez à la maison et qu'on trouve un terrain d'entente du moins et que on voit la situation du pays. Sinon, c'est pas qu'il n'y avait pas la démocratie en Côte d'Ivoire. Hein? C'est pas ça. Parce que Houphouët-Boigny même a trouvé la démocratie dans les premières heures. Il y avait les Kragbe Niagbe, il y avait les Ernest Bokka, il y avait tous les grands, 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 il y avait, et ils étaient là. Ils ont contesté contre nos colons. Malgré cela, la Côte d'Ivoire n'a pas été dispersée, n'a pas été comme elle est aujourd'hui. Si même le président Houphouët-Boigny a pris le pouvoir, qu'il est resté pendant 40 ans, comme vous le dites, cependant qu'il a laissé. Comme on appelle libre cours à tout le monde de fonctionner au bien de la société ivoirienne. Donc, je vous dis cela pour vous dire que maintenant nous avons un moyen de communication. Et ce moyen de communication, nous devons l'utiliser à bon escient. Voilà pourquoi nous devons remercier le petit Marc, comment on l'appelle, Inzimberg, ou bien je ne sais pas moi. On doit le remercier parce que nous avons l'opportunité de nous exprimer. Nous avons l'opportunité de lancer des messages. Et de lancer des messages là où ça doit atteindre. Pour que la chose change. Nous voyons la souffrance de nos parents. Nous voyons aujourd'hui la souffrance de nos parents. Hier, nous avons critiqué le gouvernement en place, le gouvernement de Alassane Dramane Ouattara. Si nous avons critiqué le gouvernement d'Alassane Ouattara, ce n'est pas parce que Alassane Ouattara, même là, c'est sa personne qui déplaît. Non. Mais on a commencé à critiquer vraiment le gouvernement d'Alassane Ouattara par rapport à la politique du terrain. La politique du terrain qui ne va pas, comment on appelle ça, à l'endroit du peuple, de tout le peuple. Même ceux hier qui ont soutenu Mordicus là, beaucoup se sont ravisés. Ils ont vu que la politique doit changer. Et c'est le peuple qui élit le président, c'est le peuple qui le défait. Nous, si Alassane Ouattara avait fait une politique qui était bien, on ne se serait pas mis sur la toile à le critiquer. Et puis, ce qui est le plus important, le président Laurent Gbagbo, si aujourd'hui, nous, on avait su hier que le président Gbagbo serait parti vraiment joyeusement rencontrer le président Alassane Ouattara pour dire, c'est mon frère, et puis, nous, on veut la pacification. C'est ce qu'il a refusé de faire hier. Et nous, on a vu nos parents qui sont tombés. C'est pour ça que nous sommes venus sur la toile. On a vu comment l'Ivoirien a été traité. Et c'est ce qui nous a révoltés et nous sommes mis bras le corps dans le combat. Donc, je ne vois pas la raison qui va pousser certaines personnes qui n'ont pas été à la première heure de la lutte. Aujourd'hui, que les jeunes gens ont perdu, comment on appelle, beaucoup d'intérêt, beaucoup de leur intérêt personnel. Comme on appelle, au détriment de ce combat, a soutenu le président Laurent Gbagbo. Nous tous, nous avons soutenu. Hein. Je vais vous mettre les photos. Je vais faire vraiment. Je vais faire, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Donnez-moi. Je vais mettre des photos, une illustration de photos de quand moi j'ai commencé à supporter le président Laurent Gbagbo jusqu'à maintenant. Je vais mettre au moins une centaine de photos, hein, que vous allez regarder. Disons, je vais constituer un pressbook qui va vous permettre de voir que ce qu'on est en train de dire, c'est la vérité. Nous avons essuyé beaucoup d'injustices à cause du président Laurent Gbagbo. Nous avons essuyé beaucoup d'injustices à cause du président Laurent Gbagbo et de maman Simone et Yves Gbagbo. Nous avons vu cette première dame-là. Nous l'avons vue traîner. Les gens l'ont traînée, ils ont piétiné. Ils ont piétiné dans son ventre, ils lui ont donné des coups de botte dans le derrière, ils lui ont arraché les cheveux jusqu'à ce qu'elle saigne. On lui a donné tous les coups du monde. Semble même-t-il que quand Diop Camara l'a giflé,
Une comme ça, comme Simone Gbagbo ayant fait la prison. Parce que hier, son mari a dit non, il faut que Ouattara dise qui a gagné les élections. Et puis, on a tous vu comment les choses se sont déroulées. Parce que vraiment, ils se sont pris mal. Les résultats de. On n'a pas, j'ai pas besoin de dire parce que vous le savez déjà. Les résultats de vote devaient être donnés à un certain délai et avec dans les normes selon la constitution de la Côte d'Ivoire. Mais on a vu qu'il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, comment on appelle ça? Il y a eu une injustice. On a vu des gens, des blancs qui sont venus. Moi, j'ai vu dans la main de quelques blancs qui étaient derrière les messieurs qui empêchaient que l'autre fasse le discours là. Damana Picasso s'exprime. J'ai vu dans leur main, j'ai vu des cadencés qui avaient le logo de l'Union africaine. Et prendre donc les résultats amenés dans le camp de l'adversaire pour les proclamer sous l'égide de la communauté internationale, cependant que la Côte d'Ivoire est régie de loi et qu'elle a sa constitution. On laisse des gens qui devaient proclamer les résultats, comme il se doit, dans tous les pays qui se disent des pays libres. Quand il y a doute, on reprend les élections, même aux États-Unis d'Amérique. Alors, ce qui nous a poussé à aller dans cette crise, ce qui nous a fait voir nos parents tomber. Aujourd'hui, ce monsieur-là qu'on a défendu tout le temps, il revient. Moi, je pourrais même pas faire des vidéos. Mais ça fait que l'attitude qu'il a eue et qu'il continue d'avoir, nous devions aussi nous mettre dans la tête que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Et nous devions accepter et faire fi des critiques et puis avancer. Que les gens viennent nous insulter, nous on avance. On avance parce que cette femme-là qui a été humiliée, cette femme-là qui a fait les pires des prisons, cette femme-là depuis des années qui lutte pour son pays, cette femme-là qui a fait tous les sacrifices du monde, c'est cette femme-là. Pour elle, que moi je suis motivée. Hier, comme je l'ai fait pour Laurent Gbagbo lui-même, qui n'était pas du même parti que moi, pour avoir été déporté, pour avoir été traîné injustement, je l'ai défendu. Donc, je suis toujours dans ma dynamique de défense. On a vu des gens qui ont lutté avec lui. On a vu ses amis. On a vu des ministres autour de lui. On a vu des jeunes gens comme les Jeve Boga. On a vu des ministres, on a vu plusieurs personnes avec le président Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, quand on fait le décompte de tous ceux qui sont tombés pendant cette crise-là, ceux qui sont restés là, ce n'est pas la plupart qui est avec lui aujourd'hui. C'est-à-dire, le complot même a été ourdi. Ça s'est fait sentir même pendant comment on appelle ça, la désobéissance civile. On a vu comment il a esquivé la désobéissance civile parce qu'il y avait Simone Gbagbo dedans et il y avait Affine Nguessan dedans. C'est facile d'indexer les autres. C'est facile de tenser les autres, comment on appelle ça, de loup dans la bergerie. Mais ce n'est pas pour autant la vérité. Parce que c'est la personne même qui tente cette personne-là. C'est cette personne-là même qui est le vrai loup dans la bergerie. Parce que nous, on ne peut pas concevoir, moi personnellement, je ne peux pas concevoir que celui pour qui j'ai lutté, celui-là pour qui. Je n'ai pas eu de sommeil. Celui-là même pour qui j'ai eu un langage déplacé envers mes parents d'en face, avec qui j'ai cherché à dialoguer, à discuter, avec qui j'ai fait une revendication de liberté d'expression. Si nous avons critiqué Alassane Ouattara, Alassane Ouattara, c'est un être humain. Mais nous l'avons critiqué. Donc, nous aussi, quand ça ne va pas dans notre camp, on doit critiquer. Ce n'est pas dans notre camp là maintenant qu'il doit avoir votre face et que des gens doivent venir traîner encore. Sans dire merci à la diaspora qui a lutté pendant des années. Traîner la première dame. Et vous voulez créer un autre parti. Vous créez le parti, mais ce que vous faites là, il y a longtemps que moi j'ai compris. Il y a longtemps que je l'ai dit dans mes vidéos. Je dis ce qui se passe actuellement là. C'est la feuille de route de l'Occident. C'est la feuille de route de la France. C'est ça. Et j'ai dit que le pis est à côté, la gangrène, elle est à côté, le cancer, il est à côté. Aujourd'hui, quand le président Laurent Gbagbo, hier, qui disait à l'AE, les Africains sont leurs propres ennemis et nous ne voulons pas qu'on vienne nous imposer des gens et des lois,
Mais ce sont nous, c'est nous-mêmes qui devions respecter nos constitutions que nous nous donnons. Mais ça se voit très clairement que nous, notre constitution que toi-même, tu t'es donnée, celle-même que tu as, comment on appelle ça, protégée, cette constitution qui régissait le pays, c'est parce que tu as permis que M. Ouattara vienne au pouvoir que cette constitution-là, aujourd'hui, du jour au lendemain, on la tripatrouille à tout moment. Qu'on mette la main dedans, on malaxe tout au détriment du peuple, qu'on ne consulte pas, qu'on ne fasse pas des organisations foraines pour demander l'avis des Ivoiriens, qu'on fasse n'importe quoi dans le pays. C'est parce que ce que vous avez fait hier, c'est le karma qui retourne contre vous. Ne pensez pas que vous allez créer ce parti et puis du jour au lendemain, et vous allez aux élections. Non. Le nouveau FPI que vous êtes en train de parler a dit que Afin Guessant. Moi, je remercie ceux qui ont compris depuis fort longtemps et qui se sont défaits de ce FPI. Afin Guessant. Vous avez parlé d'Afin Guessant. Vous parlez de Maman Simone et Yves Gbagbo, qui a remercié le président Alassane Ouattara. Même si c'est ton ennemi, là, dans la vie, là, vous avez vu au moins la guerre du Rwanda. Vous avez vu la guerre du Rwanda. Les gens se sont pardonnés. Ils se sont donné des accolades. Et même ceux qui ont tué les enfants d'une dame, la personne qui a exterminé ces enfants-là, elle lui a pardonné. Elle a eu pitié de lui. On a vu les images. Elle pleurait. Elle lui a dit, viens dans mes bras. Donc, c'est-à-dire que quand vous vous demandez pardon, quand vous allez rencontrer le gouvernement d'Alassane Ouattara, alors ça, c'est normal. Et nous, qui vous avons défendu hier, et quand on dit quelque chose de bon pour la maman que vous avez traînée, vous avez humilié, alors ça devient étonné. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Et nous ne sommes pas sur la toile pour discuter comme ça. Nous vous disons non. Non. Et nous soutenons Mordicus Simone et Yves Gbagbo. Parce que vous avez exclu tout le monde. Vous avez exclu tout le monde de votre nouvelle politique. C'est quelle politique au fait? Mais fallait nous dire sans ça aujourd'hui qui te mette Nadi Bamba qui te tient par la main, qui te fait faire toutes les villégiatures. Le peu de personnes que ton petit groupe restreint en Côte d'Ivoire qui est en train de te pousser au gouffre. Celui-là même qui est venu s'infiltrer dans ta vie, qui a gâché ton histoire, toi qu'on disait le génie, qui sont venus complètement te déstabiliser, nous te faisons appel afin que tu comprennes. Ivoiriens, moi Armel Tosea, je lance l'appel afin que les Ivoiriens aillent demander à Laurent Gbagbo de les recevoir. Il faut que vous alliez connaître là où il habite. Je vous dis que ce monsieur est toujours en otage. Il n'est pas au bout de l'auberge. C'est de ça qu'il s'agit. Le président Laurent Gbagbo, il doit avoir un domicile où il doit recevoir des gens. Est-ce que vous avez pensé une fois, ou bien vous avez réalisé une fois, que le président Laurent Gbagbo a ouvert la bouche pour remercier les gens qui ont combattu pour lui? Non. Non. C'est ceux-là qui n'étaient pas là, ce sont eux maintenant qui font la loi. C'est facile de critiquer les autres, à parler d'Afin Guessant, à parler de Simone Gbagbo. Non. Notre maman, là, nous, on la soutient. Moi, je soutiens aussi le ministre Afin Guessant. Je le soutiens maintenant, je vais toujours le soutenir. Parce que vous êtes méchant, vous avez fait une politique vraiment, une politique de trompeur. Vous avez trompé tout le monde, vous avez trahi tout le monde. Et je salue ici l'initiative de la création de ce mouvement, dont même aussi moi je fais partie. Je salue tous ceux qui ont été, comme on appelle, la cheville ouvrière de ce mouvement. Ceux qui ont été la cheville ouvrière de la création de ce mouvement. Je vous remercie. C'est comme ça qu'on doit galvaniser notre maman. Simone et Yves Gbagbo doit être galvanisée. Elle doit être galvanisée. C'est pas la première fois qu'on voit que quelqu'un fait la politique. Il y a longtemps qu'elle est dans la politique. Elle est dans la politique depuis l'âge de 17 ans. Depuis qu'elle était au lycée. Donc c'est pas maintenant. Alors, mettez-vous un peu machin. Nous sommes déçus du président Laurent Gbagbo. Moi, je suis déçu de lui. Surtout du simple fait. Du fait que le président Laurent Gbagbo prenne le courage à deux mains et dise à ses amis, ses stricts amis, là, ses amis proches qui se sont déployés chez lui, sous prétexte qu'ils ont été envoyés par les ouais,
D'ailleurs, ce qui n'était pas vrai, puisque le chef central, le Wemen, n'était pas là, celui du cavalier n'était pas présent, a dit là-bas que ce n'est pas pour notre, c'est pas pour lui qu'on l'a tué, qu'on nous a tué du moins. Pardon, je retire ça parce que je l'ai dit par inadvertance. Nous souhaitons que le président Laurent Gbagbo vive. Nous voulons l'harmonie dans le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ça, c'est quel type de politique? Hier, on t'a traité de boulanger. Et tout le monde s'est rué dans la rue pour te défendre. Aujourd'hui, tu nous traînes vraiment dans la farine. Maintenant, là, quel nom on va te donner? On va te donner quel nom? On va te donner le champ de blé? C'est-à-dire le champ même de blé, celui, le blé même qui fournit la farine là. C'est comme ça. C'est-à-dire que le champ industriel même de blé que tu es finalement. Une femme qui a souffert, une maman qui a souffert, on l'a traînée, elle a fait toutes les prisons, elle a souffert. Simone Yves Gbagbo était comme ça, qui ne pouvait même pas marcher, il fallait la tenir pour marcher. Elle a souffert pour son peuple. Tu quittes la haie, tu sais qu'elle avait un mandat international sur sa tête. Et ça là, le mandat, elle l'avait depuis fort longtemps. Et tu viens nous brandir ta petite femme. Nous, on n'est pas là pour ta petite femme. Nous, on n'est pas là pour ta petite femme. Il y a des gens qui sont partis de partout, qui ont quitté des États-Unis, le Canada, partout dans le monde même, qui sont peut-être venus même du Japon, qui sont venus rien que pour te soutenir ta cause. Des gens qui ont perdu leur foyer, qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leurs parents. Nos parents sont morts. D'autres dans le chagrin de te voir revenir. Des enfants qui ne faisaient que des cauchemars toutes les nuits, qui se réveillent en pleurant. Leurs parents leur demandent, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai vu, il est revenu. Mais pourquoi on l'a envoyé là-bas? Il va revenir, mais il est encore là-bas. On a encore les vidéos de ces enfants-là? Donc, il n'y a rien de nouveau dans ce que nous on dit pour que vous nous tensiez d'impolis. Non, ce n'est pas une insulte. Nous, nous voulons faire la paix avec entre nous-mêmes. Nous voulons faire la paix. Nous voulons la paix. Nous ne sommes pas là pour votre politique. Et donc, sachez que dans la vie, là, nous devions une leçon à apprendre désormais. Nous ne devions pas mourir pour quelqu'un. Comme nos politiciens de maintenant. Tu trompes tout le monde. Tu trompes tout le monde sur ton passage. Il y a beaucoup d'exemples qui le disent. Je me rappelle encore, excusez-moi, Bernard Dosa à l'époque, il avait son journal qu'on appelait Le Black à Paris. Quand Bernard Dosa, quand le président Laurent Gbagbo était encore en exil là, à Paris là, quand il y avait conférence, quand Laurent Gbagbo avait donné conférence, les Blancs là, ils disaient circuler. Le jour de la conférence, même Le Black, à cause du président Laurent Gbagbo, ils ont supprimé le journal de Bernard Dosa, Le Black. D'accord? Des gens ont lutté pour toi. Et c'est comme ça que tu viens te comporter. Tu viens nous servir comme ça le désarroi. Et tu veux que vous voulez qu'on ne parle pas. Non. Souffrez que nous, on vous a laissé et qu'on est avec Simone et Yves Gbagbo. Cette femme-là, on va la hisser là où il faut. On va la hisser. Soyez sereins, soyez tranquilles. Vous allez voir que Simone et Yves Gbagbo, c'est elle qui va désormais prendre le dessus en Côte d'Ivoire. C'est ce que Dieu a tracé pour elle. C'est son chemin. Parce que plus vous cherchez à noyer quelqu'un, plus vous cherchez à faire du mal à quelqu'un, il y a le karma et tout retourne contre vous. Toi, président Laurent Gbagbo, qu'on vienne te dire, ta femme a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Tu sais que tu as vécu avec cette femme-là, que vous avez été les derniers à quitter les gravats des bons de la France. Si ta femme a fait quelque chose que tu y apprends, alors tu viens, ton foyer ne peut pas être dur. Tu dois d'abord voir ta femme. Et puis, puisque tu n'as pas le moyen de communiquer avec elle, ou bien même, je ne sais pas, tu dois venir discuter avec elle. Un foyer, là, ça ne se gère pas à partir de l'extérieur. Ce n'est pas aussi celui qui est en dehors de ton foyer qui doit te gérer. Donc toi, tu es facilement malléable. C'est ce que tu nous fais comprendre à la fin. Tu es facilement malléable. On peut te tenir par le bout du nez. C'est ce que tu es en train de démontrer. Tu démontres que tu es très ingrat. Parce que moi, mes parents ne sont pas morts gratuitement. Aujourd'hui encore, je demande après ma tante. Je demande après une de mes tantes à Fangolo. Parce que jusque-là,
Je n'avais pas encore réalisé que elle est morte dans vos incendies. Elle est morte dans la maison. On l'a tuée dans la maison. Moi, je demande après ma tante. Ma soeur me dit, mais ta maman, elle est morte, ils l'ont tuée dans le machin. Mais c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi, c'est pas à cause de quelqu'un d'autre. On dit que nous, on est un bastion fort. Voilà pourquoi les gens nous ont assassinés. Ils ont eu le génocide. C'est-à-dire que si tu avais abdiqué, là, si tu avais accepté d'abdiquer, puisque tu sais qu'aujourd'hui, là où tu as accepté de faire allégeance à Ouattara, moi je dis allégeance, puisque tu es parti là-bas, tu étais très content, c'est à s'arrier aux éclats. Et donc, je pense que si tu l'avais fait un peu plus tôt, on ne serait pas là, on serait tranquille aujourd'hui au pays. Nous tous, on serait tranquille, entre nous. Pourquoi tu nous fais souffrir comme ça? Maintenant que nous avons choisi d'aller avec maman Simone et Yvette Gbagbo, vous êtes là en train de vous exhiber partout, vous sautez, vous descendez. Non! Nous sommes là pour contrecarrer votre plan. Nous sommes là pour Simone et Yvette Gbagbo. Désormais, il y a une barrière. Nous allons vous affronter, nous allons vous emmerder jusqu'au bout. C'est de ça qu'il s'agit. Comprenez cela. Comprenez cela parce que vous n'êtes pas mieux que Simone et Yvette Gbagbo. Vous ne l'êtes pas. Dans tous les sens du mot, vous ne l'êtes pas. Elle est plus instruite que vous. Et elle est plus belle et elle est plus sage que vous. Et c'est la seule femme dans ce monde-là, en Afrique. Dans ce monde, je dis bien dans le monde, Simone et Yvette Gbagbo, elle est la seule femme à avoir fait toutes les prisons de cette terre-là. À cause de qui? À cause de sa politique, à cause de la politique de son peuple. À cause de l'amour de son peuple. Et vous voulez qu'on dépasse celle-là et on va aller suivre un mouvement? Non, vous avez tiré dans l'eau. Non, vous êtes en train d'aller dans un gouffre. Et nous ne sommes pas là pour attirer votre attention dessus. Nous, on est là pour vous pousser dedans. C'est pour ça que je fais appel à tout le monde. Envoyez des messages à vos parents. Envoyez des messages. Ne lâchez pas prise. Envoyez des messages afin que le mouvement, la rencontre, l'apparition demain, 25 septembre, la prochaine semaine, c'est-à-dire la semaine qui arrive, là, le 25, là, il faudrait que le stade, le palais des sports regorge de monde et qu'il en refoule. Le palais des sports doit refouler de monde. Et moi, je vais profiter pour appeler mes parents, ouais. Je vais profiter pour appeler les ouais. Vous qui êtes dans les contrées, vous qui êtes partout, Maké, je vous fais appel, Madaomé. Madaomé, permettez-moi, vous qui êtes connecté sur ce direct, permettez-moi de lancer un message en ouais. Ah ouais, ah ouais, Maké Gbagbo, Madaomé. Madaomé, claire, Madaomé, quand est-ce que vous nous dites? Et c'est Simone et Yvette Gbagbo. Simone et Yvette Gbagbo, nous, Gbagbo Laurent Agnon, on en a de retour, on a politiqué. On a dû des gens, on a des politiques, on a appelé à de Côte d'Ivoire. Simone et Yvette Gbagbo, non, on a Gbagbo de Wana Nyon. Simone et Yvette Gbagbo, non, on doit aller au Kai. Aller au Kai, on voulait des gassodis, on a flair pour Opa. On s'y est détoyé, on a mangé au Gombo. On dit non, 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 on dit non. Simone et Yvette Gbagbo, nous avons supporté nous. Simone et Yvette Gbagbo, nous avons un mouvement, on a créé un bon diaspora. Gbagbo, Laurent, Edith Lago, Agostina Kofi, c'est-à-dire Force Tranquille, Ao Noir Combat, Ami Kele, Wanyimeda, Carole Zika, Aogi, Aose, Ossien, nous y en a pas. Voyez-y, n'y a qu'à voir, vous voyez, loi, n'y a pas de voir, n'y a pas de loi de mariage. Bon, n'y a pas de voir, nous marier légalement. On se divorce, non. Bah, on divorce, début, c'est commencé, non. Michel Gbagbo, on est député de Yopougon. Bon, ça, mon dé, parce que mon bango poquin déjà.
Moi, je ne pas moi, ça suffit. Elle va saluer et puis elle part. Adje mémé. Bon, il y a dit, mais amou. Adje mémé. Bago. Loi, ma j'en a créé de Côte d'Ivoire. On y a aidé à construction de mariage éloigné. Mais, ouais, pour n'a dit, papa, si vous voulez, Brissène, ouais, dit. Guia, soyez d'adie. Ma si y a un Simon a un anniversaire. Guia, vous êtes son second anniversaire. Un anniversaire, bon, noir, ni au bon noir. A blue noir. Ah, du anniversaire n'est pas wenyi, gwe son yon ou anniversaire. Et nous gwe tan amon. Anniversaire n'a ou diab, et si moun babou anniversaire. Et moi gwe tellement que, ah, eh, mais gen lundi et nia, mon anniversaire n'est vendredi, samedi, dimanche. Gen lundi et nia, mais bon, ah, pour l'aide de divorce. Et mais yon de pa, ma vraie, gen ma gwe, ouais, n'a marié légalement, ouais, ma poa, n'a dit papa son gui ma gya. Justice n'a pas de voir l'ordre de mariage n'y aimé. Mon nom a dû te commettre. Mon nom abandon de domicile pour me dire. Soit ma gars, soit ma même quand on a dit nous, même moi je m'en bats comme on y est serait canon. On est si à que dès on nous ondruie, dès on nous ondruie, nous on blague, nous c'est à ma droite mais. Je ne parle nous ouais, on m'a bon ni aide, à bon gong on m'a ni aide, si on m'a bon ouais, on m'a ni aide. Ma que à au sommet on pas igri, à ouais pas igri, dès qu'il y a ces canons donné, est-ce que blé donné, est-ce qu'il dit. Et si on dit que les gens ne sont pas là, ils 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 Dao dao ne ba oni eprayi ba oni ede kle ba oda wa sa noue a o kokin a bosse diabe bo maju jeune jeunesse essezien kan wa yino pa oni ede de politique nyane pays wetu ne no kan gba to yino pa ni nyanyame de angleterre nyo da nyo na rent angleterre o mo ble pays ne a o meme Margaret Thatcher ni meke mouye premier ministre de poke a o Non, pour quand il n'y a pas de président, mais. Ah, jeune, ah, on y a employé. Ah, bon, ok. Ah, on est capable, mais. Ah, on est capable, mais. Donc, ah, on dit, ah, si, mais, nous, on soutenir, non. Ah, on dit, ah, bon, on y a, ah, 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 on Nyonyo, ayou me wotu, ayou wotu somo me. Bon, mwe kwa di waka, men yonu de ane politike. Mon kato noa, wè nwe, wane politike. Kato noa, opinion swa de. Jou san mwe de li yon na, eh, jene, kato noa ble zindye. Kato noa no ble zindye. Wokpaye politike diye. O mwe di yon na, eh, abon na me yue, a sebe, i sebe wa ye jam mwe, ma veni ye hipoteke ne. Wè kato noa no wokpaye de politike di. On paye politique dit oh nous dénoncer on a appelé injustice mais why you dénonce on s'est appelé mais dans 25 ans de nous au bout de moi pour gazodi quand on voit nos enfants de gazodi you dénonce ouais il a assumé ah ouais et mais toi mada ok il n'a pas dit ah dit bah c'est déjà moins à payer qu'est-ce qui à payer ne ouais qu'est-ce qui à payer ne essaie de dénoncer Donc, ta grab a go a gradier o ma ABC de ka. E meto e madabo. A o kokle ya ogi. Samedi nyon si e boude de. Donc, ma bleu, yo bleu kpe. O e yo e parle de sport mou. O e simone e vek babo. O yo encourage nou amou. Ma bleu, yo e. O douani e won. O ne o yo flan yo e mou. Klaba o ye mi e kene. Frère, soeur, mes enfants. Chers camarades, soyez bénis. Soyez bénis. On en a vu de tout, hein.
On en a vu de tout depuis que le président Laurent Gbagbo est revenu. On en a vu de tout. Le président Laurent Gbagbo, tous ceux qui sont autour de lui, qui font sa force, sont tombés. C'est-à-dire, ceux qu'on appelle la lance de machin là. Hein? Nouada, on lance pierre. Voilà. Oh, tout le monde est tombé. Parce que, boye, Kouina lance pierre. Lance pierre, n'est-ce pas? C'est une arme. Donc ceux qui ont constitué cette lance-là, les deux lances-là, Simone Gbagbo, Blé Goudé n'a aussi des laïe. Bah ça détruit, hein? Il faut qu'on pense à Blé Goudé. On veut faire la paix avec nos parents. Zien kande ose ose sorobo mou. Omwe sorobo mè. On peut pas aller contre. Mais c'est ce que nous on disait hier. Et puis, ceux qui sont autour de lui là, on dit, vous êtes des soroïstes, vous êtes achetés et tout ça. Moi, j'ai fait chercher mes vidéos, je vous demande pardon. Cherchez mes vidéos, comme ça, vous saurez que ce que je dis n'est pas faux. Dans quelques-unes de mes vidéos, je disais comme ça. Le président Laurent Gbagbo, quand il va sortir, il va faire la paix avec Sorou Diom. Quand je dis ça, on nous a tancé de Soroïs. J'ai dit ça dans le but de la réconciliation. Dans le but de la réconciliation. Nous ne sommes pas, on n'est pas content de voir notre pays comme ça. Ce n'est pas possible. Avant là, l'Ivoirien était celui-là qui aimait son frère. Avant là, l'Ivoirien s'amusait. L'Ivoirien aimait la plaisanterie. L'Ivoirien n'est pas méchant. Mais de nos jours, la Côte d'Ivoire a changé. Les mentalités ont changé. Il y a eu de nouveaux Ivoiriens. Il y a un bâillonnement. On ne peut pas parler. On n'a aucune liberté. Tu ne peux rien dire sans qu'on te mette en prison. Et il y a des gens qui se disent des blogueurs, qui se tapent la poitrine. Parce qu'ils ont des bras longs en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, ceux qui se tensent d'avoir des bras longs, là, ceux qui sont fiers, qui se clament d'avoir des bras longs, là, demain, là, les bras, là, il y aura plus et qu'il y aura plus bras longs que vous. Parce que la Côte d'Ivoire va être réconciliée, que vous le vouliez ou pas. C'est pour cela, c'est à cette raison que nous appelons tous à être mobilisés derrière la mort de Simone Yves Gbagbo, notre icône, cette dame-là qui dit tout va bien. Malgré que nous sentions la douleur qu'elle reçoit. Cette dame qui est assise sur beaucoup de choses. Cette dame qui étouffe cette bombe. Rien que dans l'amour de son mari. Cette dame qui voit les choses, mais qui est tranquille. C'est d'elle qu'il s'agit. Venez, que nous la supportions. Celui qui peut apporter son grain de sel. Celui qui peut apporter sa pierre. Que vous soyez tous mobilisés. Que vous soyez tous mobilisés pour soutenir Maman Simone Yves Gbagbo. Abougi, Awasie, Boudede. C'est comme ça qu'on aide à changer les choses. Vous voulez une paix durable. Vous voulez que la Côte d'Ivoire redevienne comme avant. S'il est le moment, c'est le moment de faire la paix avec vous-même, de faire la paix avec votre conscience, de faire la paix avec tout ce qui vous entoure. Et puis de voir la vérité. Et soutenir Simone et Yves Gbagbo. Je profite de l'occasion ici pour remercier tous les cyberactivistes, tous ceux qui font les vidéos, tous ceux qui font les vidéos, et pour défendre Gbagbo lui-même, et pour la réconciliation du pays, et pour Maman Simone et Yves Gbagbo. Quoi, c'est pas normal qu'on trouve que Simone et Yves Gbagbo soient vendus parce qu'elle a tronqué son combat, parce qu'elle a remercié le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? On voit même que ceux même pour qui vous nous faites la guerre, lui-même s'est déplacé pour aller embrasser Ouattara. Qu'en dites-vous? C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas vouloir, agresser des gens pour venir envers vous. Non, le temps est passé. Le FPI, votre nouveau mouvement que vous faites là, ça c'est un nouveau FPI. Il n'est plus, vous avez laissé l'enveloppe à Fingessa. Mais cherchez plutôt à la remplir. Cherchez du moins à la remplir. Parce que tout compte fait, c'est la même chose. C'est-à-dire quoi? C'est comme quelqu'un qui crée une société
Et quand ça va en faillite, la société, là, quand on la crée, qu'elle est une société commandite, et quand elle va en faillite, on ne fait que changer de nom, et puis on met ça en gérance. Cependant que, quand vous changez de nom, là, ça ne veut pas dire que les éléments autour ont changé, mais c'est le couvert, là, qui est changé. Donc, c'est vous, votre cas. Parce que vous ne pouvez pas traîner notre maman, Simone Yves Gbagbo, et puis nous, on va courir après vous pour dire que nous sommes la substance qui devons vous suivre. Non, on ne peut pas vous suivre avec les idées que vous avez, avec la méchanceté que vous avez, avec cette hargne, c'est-à-dire cette haine que vous avez pour Simone Gbagbo, nous ne pouvons pas vous suivre. Et nous allons toujours être contre vous. Nous allons vous pousser. Nous allons vous pousser jusqu'au bout. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, démordez de ce que vous faites. Remerciez-vous entre vous. Si le président Laurent Gbagbo, hier pour qui tout le monde s'est battu, s'il trouve que c'est ceux de la Mauritanie, il y a une seule personne en Mauritanie, celui-là même qui a fait comment on appelle là, de Maman Simone Yves Gbagbo son chou gras, si c'est celui-là que vous voulez remercier, si c'est Alex Zaté qui a défié l'autorité en Côte d'Ivoire, pour qui vous avez lutté afin de retirer. Si vous pensez que vous nous faites du mal, plus vous pensez nous faire du mal, plus nous, on grandit dans notre amour, dans notre solidarité. Et l'amour de Simone et Yves Gbagbo monte en nous. Ça monte, ça devient, vous voyez, ça devient quelque chose d'inexplicable. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, travaillez vos neurones pour comprendre qu'on ne peut pas faire le mal jusqu'à ce point. Raison pour laquelle je demande, j'appelle à la mobilisation. Je veux remercier tous nos amis. Tous les ouais qui supportent Simone et Yves Gbagbo, supportez encore et faites encore le boulot. Travaillons. Nadi Baba n'ira jamais à Diokwe. C'est de ça qu'il s'agit. Jamais elle n'ira à Diokwe. Parce que Diokwe est acquis à la cause du moins de la chose ouais. Et donc, ouais, la chose ouais qui a été soutenue par Maman Simone et Yves Gbagbo, qui n'a pas cherché son reste quand elle est sortie, pour aller à Diokwe pour dire je viens vous supporter, qui est venue visiter les tombes de mes parents, c'est celle-là, c'est à elle que Diokwe appartient désormais. Nadi Baba passe pour aller à Touba. Que Nadi Baba soit la deuxième femme du président Laurent Gbagbo qui foule la loi du mariage au pied, nous, on s'en fout de ça. Mais, mariage-là, elle n'est pas divorcée avec toi encore, notre maman. Et quand elle va... Elle va même pas, nous, on va même pas permettre qu'elle divorce. Parce que si Simone et Yves Gbagbo veut divorcer, ça veut dire qu'elle va divorcer avec nous tous. Elle va divorcer avec nous tous. Parce que c'est pas normal que Gbagbo veuille divorcer. Et déjà, c'est-à-dire, il a tellement dépeint cette femme-là. Il a dépeint en je sais pas en quelle couleur. Parce que tout compte fait, le noir, il est sage, hein. Mais je sais pas quelle couleur. Il l'a mise dans la boue. Et il continue de la traîner dans la boue. Ça là, c'est vous prenez Gbagbo. Gbagbo n'est pas, il est déjà vieux. Donc nous, on est là, on regarde. Mais le mariage, il appartient à notre maman. Et nous, on la supporte, on la soutient. On soutient ceux que vous avez dénigrés hier. Vous êtes trop rusés, mais vous n'êtes pas rusés que tout le monde. À malin, malin et demi. Hier, Maman Simone Yves Gbagbo était dans le CNT. Le CNT où il y avait Afin Guessant, où il y avait Mamadou Koulibaly. Et comme ces deux-là étaient là-bas, vous avez tout fait. Tout ce qui a été fait, au début, le président Laurent Gbagbo disait comme ça, je supporte. Mais à la fin, il a désavoué le CNT. On ne peut pas tromper quelqu'un comme ça tout le temps. Donc, nous ne sommes pas vos jeux politiques. Nous ne sommes pas vos jouets, pardon, politiques. Nous, on est là pour la vérité. Nous voulons la liberté. Nous voulons nous affranchir. Nous voulons la paix. Nous voulons être conscients. Nous voulons être cohérents avec nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai intitulé mon truc. Je ne suis pas celui que celle que tu veux que je sois. Mais je suis moi-même. Alors, maîtresse de moi-même. Vous voyez, chers parents, je vous remercie, vous qui avez été là. On est encore là. Je reviendrai pour vous donner la liste de ceux dont le président Laurent Gbagbo s'est défait. Ses amis qui l'ont supporté, qui ont fait sa force hier. Parce que comme il pense qu'il va revenir au pouvoir, ou alors il forme ce mouvement-là pour que un Demba Traoré qui n'a pas... Moi, j'ai travaillé avec Demba Traoré à Cremona. J'ai fini de travailler à Parme. J'ai pris le train, je suis à Cremona. Je suis allé à Cremona. J'ai été seule sur le dossier, ouais. En tout cas, là, je ne peux pas mal parler de lui. Mais je ne sais pas, aujourd'hui, je me rends compte de ses intentions. Je suis celle qui avait posé le problème du génocide, ouais. Et j'ai été prise en pâture dans la salle avec Danon Djodje. Pardon, avec Danon. Pardonnez.
le responsable du FPI qui est chose à Emile Romagna. J'ai été pris en pâture, il m'a saqué, il m'a savonné dans la salle. Il y avait Adon Baeto, il y avait celui-là même là, comment on appelle, Demba Traoré. Demba Traoré, sincèrement, il m'a pas mal répondu. Même là, il a eu même à me donner son numéro de téléphone. Vous comprenez? Mais pour finir, on se rend compte que vous luttez le dossier, ouais, mais que vous n'aurez jamais. Parce que tous les pièges que vous posez, nous, on est là pour les dessouer. Parce que nous avons les yeux ouverts et nous sommes là. Nous voyons tout. On a vu Demba Traoré quand il est sorti de chez le président Laurent Gbagbo, de la première audience, où il a dit, le président Laurent Gbagbo dit, si vous tenez, je tiendrai. Et puis il a commencé à pleurer sur chose. Mais à part ça, nous n'avons pas vu Demba Traoré vraiment au devant des choses. Nadi Mbamba même qui est Nadi Mbamba aujourd'hui. Nadi Mbamba n'a jamais été au devant de la lutte. On n'a jamais vu soutenir les autres. Non, elle n'a jamais soutenu quelqu'un. Mais pourquoi elle-même, elle n'avait jamais fait de poste même pour dire merci. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est elle qui est notre protagoniste. C'est elle qui doit imposer les lois. C'est pas possible. C'est pas elle qui a envoyé les jeunes gens dans la rue. C'est pas elle qui a payé le transport des gens qui ont voyagé, qui sont quittés dans plein de pays pour venir à La Haye. Et quand le président Laurent Gbagbo se permet comme ça de dire, elle a ma femme, ma petite femme, même si on fait parler avec quelqu'un reconnaissant, c'est que, ah bon, tu sais que nous, on fait parler avec elle. Non. Ah, si tu es conscient de ça, là, Dieu merci. Là, Dieu merci. Parce qu'elle n'a rien fait. Et puis, la place qu'elle occupe là, elle est usurpée. Elle est usurpée cette place. Et toi, tu foules la loi au pied. Président Laurent Gbagbo, tu foules notre loi au pied, tu n'es pas un bon exemple. Tu viens de donner clairement que tu n'es pas vraiment le bon exemple. C'est maman Simone Yves Gbagbo qui était derrière toi. Et puis, tu étais celui que tu es. L'Orunia Odette, toi aujourd'hui qui es le... C'est toi aujourd'hui qui es la pioche. La pioche la pioche tombale de maman Yves Gbagbo, ce que tu aurais souhaité qu'elle soit, elle ne sera jamais cela. Parce que Simone Yves Gbagbo, c'est elle qui t'a fait. C'est elle qui t'a fait parce que c'est elle qui a permis que tu sois député à Tiégoumé. Tu ne vaux que dalle. D'accord? On t'a vu te prosterner devant Ahmed Bakayoko ici. On t'a vu courir, aller au palais. Tu n'en vaux pas, ça dit tu n'en vaux pas la chandelle. Tu n'en vaux pas du tout la chandelle. D'accord? Simone Yves Gbagbo en vaut, c'est-à-dire, elle en vaut le pesant d'or. Elle en vaut le pesant d'or sur tout. Sur Laurent Gbagbo, sur vous qui êtes autour de lui. Personne n'est plus instruit qu'elle. Personne. Du président lui-même jusqu'à la dernière personne, Simone Gbagbo est plus instruite que vous. Elle est plus sage. Elle est plus mature. Elle est plus intelligente. Vous voyez, vous êtes en train de flancher. Vous êtes en train de courir dans tous les sens. Vous êtes en train d'agresser. C'est-à-dire, le gouvernement de Ouattara n'est plus notre, comment on appelle ça, notre souci. C'est maintenant Simone Yves Gbagbo qui est votre bête noire. C'est elle, c'est sûr, vous ruez. Non, ça ne passera pas. Mais plus vous vous ruez derrière elle, plus nous aussi, on la galvanise. C'est ça qui est la vérité. C'est ce qui est la vérité. Tous les amis de Gbagbo sont partis. Ce qui me fait mal dans l'histoire, c'est que j'avais Boka Gervais, le petit Boka Gervais, qui a travaillé toutes les nuits, qui s'est déplacé partout. Partout, il quittait où il était, il quittait en Florence, et puis il venait à Parma. Quand il vient là, c'est nous qui le recevions, nous voici. Quand il fait les trucs, nous on est toujours là. On a eu des séances de travail avec lui. On l'a soutenu. C'est vrai, on ne payait pas son transport. Nous, on ne payait pas son transport. C'est sa femme qui payait son transport. Partout où il partait, il le faisait de lui-même. Tous les combats qu'il a menés, on l'a vu sur les plateaux d'Afrique Média. Tous ceux dans le monde, en Afrique, qui ont lutté pour Laurent Gbagbo, sont tous déçus. Sont tous déçus. Ils ont été servis par un désarroi, comme on appelle là, qu'on ne peut pas, qu'on n'arrive pas à expliquer. Vous trouvez cela convenable? Vous trouvez que on va concevoir cela et puis vous suivre aveuglément? Non. Quand on fait un enfant, il grimbe. Quand une fois il sort de grimbe, on lui donne le sein. Quand on lui donne le sein, là, il grandit. On le nourrit, il grandit, il s'assoit, il marche à quatre pattes, il s'élève, il marche. Et puis, il avance, il devient adolescent et il devient majeur. Et donc, avant qu'il ne devienne adolescent et tout ça, avant même
qui ne se lève pour marcher, déjà à 6 mois, on le sève. Vous comprenez? Donc, pour vous dire, des majeurs comme nous, ce n'est pas vous qui allez venir vous imposer. Et ceux qui sont sur la toile, qui cherchent du buzz pour accuser les bonnes personnes qui travaillent, ceux-là, nous, on ne vous regarde pas. Parce que vous voulez vous donner de la notoriété. Vous voulez vous donner de la comment on appelle ça, de la substance. Et ça, nous, on va pas vous le donner. On va pas vous donner cette occasion d'avoir cette substance-là. Souffrez qu'on ne vous la donne. D'accord? Donc, frères et sœurs, vous m'avez assez suivi. Je dis que quand je vais revenir demain, je fais encore une vidéo. Mais je vais mettre la liste de tous ceux que le président Laurent Gbagbo a écartés. Je vais mettre toutes les listes. Je vais mettre la liste de ses amis qu'il a écartés. Tous ceux qu'il a écartés, là, ceux qui ont fait sa force hier, qu'il a écartés, je vais mettre. Et cela à cause de Nadi Bamba. Je vais écarter. Comme ça, vous-même, vous allez voir que Laurent Gbagbo n'est pas quelqu'un qu'il faut suivre. Désormais. On n'est pas là pour lancer des insolences, pour insulter quelqu'un. Non, ce n'est pas notre éducation. On respecte tout le monde. Mais si vous, vous ne respectez pas celle qui a permis que vous ayez un Laurent Gbagbo, ben nous, on va vous faire comprendre cela. Si vous ne respectez pas Simone, vous ne respectez pas Simone Gbagbo qui a fait de Laurent Gbagbo un président, nous aussi, on va vous montrer dans la casserole. On va vous montrer le fond de votre casserole. Parce que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. C'est facile de critiquer les gens. Hier, ce qu'on disait, vous avez dit tout. Vous nous avez dit tout. Aujourd'hui, venez, on va parler de ça. MGC Mouvement. Frères et sœurs, lançons l'appel. Lançons l'appel pour notre maman. Tout le monde doit converger au Palais des Sports à Trècheville pour soutenir Simone Yves Gbagbo. Je vous remercie d'avoir été là. Tous ceux qui ont été là, je vous remercie. La force tranquille, merci pour le travail que tu as bas chaque jour. Faut pas donner du regard à quelqu'un qui veut se frayer un chemin. Non. Si je ne vous lis pas tous, c'est parce que je ne vois pas. Donc, la seule chose, nous on est là, on soutient le mouvement. Naomi veut t'aider. Petite sœur, voilà mon boy sur toi. Dieu te bénisse. On avance seulement. Soyez tous bénis. Vous qui supportez Mireille Dano, sois bénie ma fille. Sois bénie pour ta conscience. Soyez tous bénis. Que Dieu nous garde et on est là jusqu'à la veille, jusqu'au jour de l'événement le 25 septembre. Nous sommes là, nous allons parler. Nous sommes là, nous allons appeler nos parents. Continuons de faire l'appel. Continuons. Moi, je suis là. J'envoie mon argent. Je vais envoyer lundi, là, j'envoie mon argent. Lundi, j'envoie mon argent pour le soutien. Il y a aussi nos artistes qu'il faut soutenir. Il y a Guy de l'Ouest qu'il faut soutenir. Il y a son producteur qu'il faut soutenir. Et tout ça, c'est pour la cause de maman Yves Gbagbo. On n'a qu'à soutenir. C'est pour ça que j'ai essayé de rentrer en contact avec certaines de vous. Mais je n'ai pas eu un gain de cause parce que vous étiez occupés sûrement. C'est pour ça que j'ai dérangé tout à l'heure la petite. Et je ne l'ai pas fait sciemment. Je ne savais pas qu'elle était en direct parce que je n'ai pas eu la notification. Soyez bénis. On continue le combat. Et on va hisser notre maman là où la place que Dieu a fait pour elle. Dieu a réservé pour elle. Soyez bénis. Que Dieu nous garde. Bon week-end à vous. Je n'ai pas autre mot à dire que toute la grâce de Dieu soit sur votre maison. Soyez bénis. Attendez-vous à moi demain. Je ferai encore une vidéo demain où je vais mettre toute la liste de ceux qui sont tombés autour du président Laurent Gbagbo, dont les parents n'ont pas encore vu, et qui le rejettent. Je vais donner la liste demain. Soyez bénis et bon week-end à vous. On est ensemble. Mobilisation pour maman Simone Yves Gbagbo. Mobilisation. Que tout le monde converge vers le palais des sports pour MGC. Mouvement Génération Capable. Nous sommes capables, nous sommes maîtres de notre âme. Nous sommes maîtres de notre esprit. Soyons unis derrière maman Simone Yves Gbagbo. Ouais! Venez soutenir Yves Gbagbo Simone. Venez soutenir cette femme-là. Venez la soutenir. C'est elle que vous devez soutenir.
à travers nous nos voix. Venez. Ah, on est venu nous. Ah, on se l'aide. Ah, Ogi. Ah, Oye, Simon, Babou, Bom. Ah, Bougi. Même Ogi Kenao. Soyez tous bénis et bon week-end à vous. Dieu nous bénisse tous. Merci.